Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel opening. Alors voilà, normalement il est censé être beaucoup mieux que celui que j'ai pu vous présenter la dernière fois, parce que déjà les colis que j'ai ouverts hors live étaient beaucoup mieux. Je vous les commenterai tout à l'heure. Pour le moment, j'en ai 8 à peu près à vous ouvrir. Donc 4 avancés, 4 petits. On va commencer dès maintenant en espérant avoir un peu plus de chance que la dernière fois. Pour le moment, que du recru, du professionnel, c'est pas trop super cette première box. Ouais, super. J'espère que ça va être un peu mieux là. Bon, du soldat d'élite au moins. Mais bon, ce casque là, ouais, je le connais pas trop. Bon, c'est pas trop mal, mais bon. Pas super beau. J'aimerais bien surtout avoir des armes, des nouvelles. Soldat d'élite! Ouh là là, le triple élite, il est vraiment sympa. Bon, malheureusement, les armes. Bon, le silver bullet, je l'avais pas, donc c'est sympa. Le blindé nigérien, ça me sert à rien, je l'aime pas. Et le hostage jammer, c'est sympa. On va dire, c'est sympa. On a quand même un triple élite, c'est assez sympa. Soldat d'élite! Oh, mais mon dieu, appelez-moi dieu là. J'ai que des triple élites, c'est super. Bon, c'est pas des trucs, c'est pas des armes de ouf, mais la Tiger Blood, je crois que je l'avais pas. Le pantalon blanc, bah pourquoi pas. Et la SNC, j'avais déjà. Bon, bah j'espère encore avoir un petit triple élite. Ah non, là c'est fini. Ouh, là on a pris le retour de la médaille. Hein. Le revers plutôt de la médaille. Pas très beau. Et le dernier. Eh ben, on a eu une arme! On a eu le tromblon! Ça fait plaisir, on a le tromblon maintenant. Voilà, donc vous allez voir après que ça va pas être la seule arme que je vais avoir, mais ça fait plaisir, j'ai eu le pompe du coup. Il me manque plus que le SVO, que je n'ai toujours pas. Donc on se retrouve tout de suite pour les autres openings. Donc ça y est, on est de retour. Donc du coup, je vais tout de suite ouvrir avec vous l'opening 1. Donc le premier opening, on va l'ouvrir tout de suite. C'est deux petites box. Non, pardon, c'est. Si, c'est deux petites box. Mais c'est une box que j'ai ouverte par mégarde en fait durant un de mes lives. J'étais dégoûtée de la ouverte et j'ai gagné par contre l'exodénial. Donc ça fait vraiment plaisir. Ensuite, au deuxième opening, c'est trois petites box qu'on ouvre directement avec la première où on a pas grand chose, de la recrue, du professionnel. Pareil, je crois que c'était une box que j'avais ouverte en live par erreur. Donc voilà, c'est la box que j'ai pu ouvrir. En erreur, maintenant on va passer aux vrais openings en gros, où il y a plusieurs box d'affilée. Donc là on est parti pour deux petites box, donc un tout petit opening hein, tout simplement. Première petite box où on obtient le casque d'éclaireur Atlas, c'est sympa. Deuxième petite box où là on a que du professionnel, bon c'est pas grand chose, il y en a un ravitaillement avancé. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir gagner dessus, on va l'ouvrir tout de suite ensemble. Et là, bah, on gagne que du recrut et un petit exo élite. Bon, pas trop super cet opening. Donc on passe tout de suite au quatrième opening. Donc là, on a ravitaillement avancé et une petite box au minimum. Ou au moins 4 petites boxes. Première petite box, on ouvre tout de suite. On obtient le NA45. Bon, super, c'est pas fameux. Une autre petite box. Et là, on a encore une fois l'exo nigérian. Donc là, on aura eu une tonne de fois celui-là. Encore une petite box à ouvrir. Donc là, on a que du recru et du professionnel. Rien d'intéressant. Allez, encore la dernière petite box. Après, on passera ravitaillement avancé. Où là, bah, c'est pareil. C'est assez peu riche, on va dire. Hein. Peu d'élite, rien. Le ravitaillement avancé. Et là, on va obtenir un pantalon élite. Assez sympa. Mais c'était quand même un ravitaillement assez maigre, on va dire. Opening 5, donc on a deux petites boxes au minimum, trois petites boxes finalement. On ouvre la première tout de suite, on obtient le home, voilà, et du renfort. Bon, le home je l'ai pas, donc ça sert à rien. Le renfort, bon, élite et recrue, c'est sympa, mais j'en ai pas besoin. La deuxième box, un Aerix tout seul. Et la troisième box, bah des lunettes, voilà. Un opening clairement désastreux, on va dire. Opening numéro 6.
où là vous pouvez voir qu'on a gagné l'exodénial. On va essayer d'en ouvrir deux autres petites box. Et là, on va obtenir une arme royalty, c'est assez positif. La sac 3 en plus, qui est du coup, qui n'est pas akimbo. Deuxième petite box où là, bon, on a eu de la chance, on peut pas avoir deux trucs non plus super. Donc on a eu déjà une arme royalty, c'est déjà pas mal. Opening numéro 7, où là, vous allez pouvoir voir que ça va faire rager certains. On a au moins 5 box à ouvrir, qui est assez gros. Tout d'abord, on obtient du renfort comme d'habitude et pas grand chose. Hein, première petite box assez nulle. Deuxième petite box. Oula, il est assez lent hein, parce qu'il buguait complètement mon opening. Donc là, les caisses ont été ouvertes très lentes. Bon, là, il n'y avait rien. Vous allez voir, ça va un peu ramer. Hein, c'est pas moi, c'est le jeu. Et là, on obtient la STG 44. Donc en plus du pompe, on a les deux nouvelles variantes. Donc ça, c'est assez sympa. On a eu de la royalty. On a vraiment eu. Plutôt un bon opening. Bon là après on peut pas être chanceux sur tout. Donc on continue à ouvrir. Là c'était obligé que je l'avais. C'était la journée où vous n'avez tous le max Ronin légendaire offert. Donc c'est quand même un truc légendaire. Donc c'est assez sympa de l'avoir. Voilà. Donc voilà pour conclure cet opening. En plus un équipement psychédélique qui est vraiment joli. En vue en élite avec le max légendaire et la STG. Rien de mieux là, franchement l'opening vraiment sympa. Dernier petit opening, c'est deux petites box, trois petites box pardon. On y va pour la première. Enfin si je veux bien l'ouvrir, hein, on attend qu'elle s'ouvre, je sais pas ce que je fais mais... ouais, voilà, c'est, elle s'est débloquée, je peux l'ouvrir. Donc là, un casque élite, c'est assez sympa. On ouvre tout de suite la deuxième, si j'arrête de bugger hein, tout simplement. La deuxième, donc là, le même casque mais pas en élite. Le pantalon Sledgehammer, donc ça c'est sympa. Il y a maintenant des habits Sledgehammer qui sont cachés dans les box. Et j'en ai déjà eu deux parce que je crois que j'ai eu le... Bah j'ai déjà eu le... Ah j'ai déjà eu le pantalon. Non j'ai eu le haut tout à l'heure. Donc j'ai eu le haut et le bas Sledgehammer. Donc c'est assez sympa. Clairement sur cet opening là on s'est fait assez plaisir. On a eu des équipements Sledgehammer, le haut et le bas. On a eu une arme royalty. On a eu la STG 44. On a eu le haut légendaire. On a clairement eu un très bon opening. Donc voilà. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez ciao ciao.